on continue notre petit voyage jusqu'à l'Ardèche. On est à Beaulieu-les-Annonay. Une aire de camping-car gratuite. Voilà, il y a les jardiniers là. Et Cécile a fait ses repérages. On va chercher l'eau pour les vidanges. Elle surveille. C'est un petit village médiéval, on va aller se balader, mais le temps aujourd'hui, c'est gris. Mais il fait très bon, il fait 19. Allez, à bientôt. Bisous, bisous. Ça fait des années que j'en ai pas vu, moi, des urinoirs comme ça. Ça, c'est quand j'étais tout jeune, je parlais comme des urinoirs. Ah, c'était la belle époque, hein, les femmes, elles avaient du boulot. Des bonnes truites. Merci aux pêcheurs qui nous les a donnés. Elle est délicieuse. Alors, voilà l'air où on était, le coin pour les vidanges. Fred en plein boulot. Je fais la boîte à caca. Donc là, vous avez un robinet d'eau pour les WC et ici la dalle pour les vidanges. Alors, tout est gratuit et vous voyez là, il y a une petite boîte. Si on veut mettre une petite pièce pour participer aux frais de la ville qui nous offre ça gratuitement, c'est la moindre des choses. Donc, nous on va mettre une petite pièce avant de partir. Voilà. Troisième jour, dernier jour de Cécile, là, non, troisième jour et le dernier jour de travail à Cécile. Ouais, la dernière journée, elle est chargée, hein. Voilà. On fait pas de cadeau au boulot. Hein. Donc, on est parti un peu plus tôt ce matin pour être le plus près du point d'arrivée, rejoindre nos amis en Ardèche. Et là, on a trouvé une belle aire. Camping-car, là c'est payant, mais bon, je voulais à tout prix aller voir ça au bord d'un lac. Une belle vue, c'est dommage que le soleil n'est pas au rendez-vous. Le tarif c'est 8 euros. L'eau, les toilettes, les vidanges, tout ça, mais pas d'électricité. Mais c'est un calme. Peu de circulation, franchement le top. Moi ce qui m'intéressait c'est ça. Waouh. Regarde, j'adore. Elle est en vacances. Yes, ça y est. Super décor, magnifique. C'est vrai que. Ça ressemble à l'Ariège. C'est chouette. Ça ressemble à l'Ariège. Voilà, là on est près du barrage. Bon, c'est probablement un petit barrage, hein, parce que.
Là, il fait je sais pas combien de kilomètres. Peut-être 2, 3 kilomètres, je sais pas. Voilà l'aspect de l'autre côté du barrage. Et là, il y a très peu d'eau. Donc, c'est peut-être fait volontairement. Et là, il est 17h et il fait super chaud. Hein, Cécile ? Il fait super chaud là. Ah ouais, j'ai perdu là parce qu'il y avait un petit vent frais, mais il fait chaud en fait. Un gros nid de frelons asiatiques. La vache, impressionnant. Mets-toi à côté, Cécile, pour montrer comment qu'il est balèze. Il n'y a rien dedans. Hein. Ah non, non. Monsieur les a mangés à la poêle. Ouais. Il a fait des nems. Impressionnant, hein. Ah la vache! C'est quand on les voit dans les arbres, on roule dessus. D'accord. Parce que dessous, c'est cassé. Là. Incroyable. C'est la première fois qu'on en voit un, nous. Ouais. Il y en a pas mal ici. Ah oui? Alors, la rivière, elle s'appelle la Dolce Via. Voilà. Après une petite promenade, une petite heure, hein, bébé? Ça fait du bien, il doit être 18h. Enfin, il fait encore chaud, on a de la chance. Alors quand je dis chaud, c'est chaud par rapport à la semaine dernière. On a trouvé du thym sauvage, faire un petit bouquet garni, et des petites plantes grasses qui étaient arrachées. Voilà. On va récupérer qu'on va mettre dans le jardin. On retrouve l'air de camping. Demain vers 9h, 9h30, on s'en va.